Jeudi 4 janvier 2024, journée chômée payée, na étendu mouvement démocratique du Congo, Tozali Bongo ko commémorer journée de martyrs de l'indépendance, Mokonalelo, Toza ko se rappeler na bayo batika, ba pesa bon na bango ba sopa makila na bango pour que mboka Congo et joa Bongo Lipanda, en tout cas hommage na ba ye wana oyo ba bundela mboka na biso même temps ba union so bazana front ya démocratie du Congo lelo ba ba sali ko bunda po ne kolona biso na se rappeler le sous il y a deux jours to bande ko commémorer bongo 10 ans il y a bo il y a koufa il y a ndeko Mamadou Ndala wa tika biso ba union so ba bunda pe ba koufa po na mboka Congo awa to rendre bino hommage na même occasion il y a mokona lelo 4 janvier bokamati ba ko kolona biso partout à travers le monde tozali bongo la période post-électorale déjà tozali causé la bongo cour constitutionnelle a s'est prononcé na délai OEP samela ki ba équipe ba suba déposer bongo ba contentieux na bango pour que cour akata likambo yango lobi moleki moko na kati ya ba candidat président de côté d'or ngoyi a pesa ki requête na epona ko senga bongo na cour ba annuler bongo ba résultat proclamé na ni topé central électoral na OEP Saki 73,34% Nandeko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Oazayaki proclamé le cola gagnant topé champion Yamaponomi Salemaki le 20 décembre Tobo Sanité que 9 candidats président Bazali côté les mais à topé ba rejeté ba résultat au Bazali Koloba Ezali Bongo simulacre des élections au Ezali Mokola Basu Salobi Ezali bongo coup d'état électoral que de mots nawe etali maponomi esalemi nini opposition ezali koze la kosa la lobi moleki tolanda ki Moïse Katumbi chapo ezali moko ba candidat ya ki deuxième avec 18%. Ye atali saki que rien n'est encore fini, tout est possible. Moto mon côté a kondi ma fraude électorale oyo ezala ki déclaré selon Baïke ya opposition. Jusqu'où ira l'opposition? Est-ce que pouvoir kotika et sale mabongo po ba boy kokene na cour constitutionnelle balobi bango ba kende na balabala ba ko activer article 64. Ont-ils raison ou tort? Nous allons en parler au cours de cette émission. Deux invités et deux sujets à l'ordre du jour. Tolobela Congo, la bande de Kouazan, sur ces plateaux, Ndeko Rodrigue Ramazani, Aza Nalibanda et Plateau, vous pouvez déjà nous rejoindre sur ces plateaux. Tolobela Congo, Ndeko Rodrigue, comme moi en retard, Mbotepe Boye Bolamu et Tozali Bongo, Nandeko Moïse Moussangania, Oazali expert, on a ma question politique en Bokalabiso, Ndeko Azan Lobokolanga et Mobali, Mbotepe Boye Bolamu. Mbote maman Naomi na nazane sengo na ndenge o bengisinga pour tolombela makama mboka kombo na nga ezali Moussangana pas Moussangania. Moussangania ezali na Kivu. Oh, sorry, mes excuses, monsieur. Faut rappeler que vous êtes aîné. Je suis journaliste. Journaliste. Je suis expert, je suis analyste politique et expert en questions électorales. Oh, très bien, merci beaucoup. Tolo Belango, vraiment, la mozindo pose à moi, bah, il est macho, ma cambessa, le maquille 20 décembre, on déco. Rodrigue Ramazani, porte-parole et en vol, la zananga, moulanga, le beaucoup à moi, si mon ambo kambote. Mbote, maman Pila, mbote, la bakongole, Kolanda Bisson Angongaye, na pisipe mbote, na co-débatteur Nangaye, monsieur Moussangana, o toko solanae, ma cambo yamboka, na coli qui a été, ma solo toko beta. Et que son abaye mboka ba ye balolenge ni mboka eko kambama pe kota la bomo ya mboka lobi solo za motami beko ba pe si bino tango bokende bongo ko landila vous le voyez ça légal ko pe sa ba pe fe na bino ko pe sa ba revendication na bino na ngambo ya cour constitutionnelle pourquoi bo boy ko kende pe bolobi pourquoi activer article 64 est-ce que contexte autozalango lelo solo eza contexte ko activer article 64
Effectivement, et c'est quoi activer l'article 64 et la Constitution, où ils allaient couper ça, bas congolais, ndingisa, y'a qu'au télémela, motonios, topé l'isanga ya bato, au bas koluka kozwa bokondi, namakasi, pambate, na volandi sami, mokondi, libé koli kondi en boka, et l'obie était président de la République, beba représentant ya peuple, ndakisa ba député, bazali, élu par le peuple, bazali, fruit à volonté à peuple. Motonion so eux, à cause bokondi. En dehors, il y a oezali volonté à population et singeli. Dengue mibe qu'on a vu sur lobby, population et télémélaé. À commission ou même, constituant à commission ou même devoir. Qu'ils allient un devoir, il y a qu'au télémélaé. Oe les kaki, Mikolo, et les qui, ils allaient qui m'a pour namité, ils allaient qui coup d'état. Coup d'état électoral, oe et pessin de koti sekedi. Bokasi na nzela ya nanko pe na minduki adzwa bokondi na makasi. Ezalaki coup d'état et alaki ma ponomite. Yango wana peuple congolais azali na devoir yako telemela yango à travers article 64 ya constitution par de moyens pacifiques. Ezo la kisakeza coup d'état électoral pour élection sale mindenge nyonso et sale makala bomesa. Et si ou bandi ko voter na kanisa ozali 3e cycle, quatrième cycle électoral. Et si on vota pendant 7 jours? Et si on a ma ponami salami na Congo pendant 7 jours? Mbala liboso, ngana la candidat, babi mana ba témoin, na ba bureau de vote, ma boya ba témoin ba assister na dépouillement. Ba bureau de vote mousse fonga mina 22 heures. Ngunga wana témoin à la kite. Et ali na ba préalable, les ali na makambo, les ali na katia mobe ko toko solango parce que na ali na loi électorale on pantin na ngai. O ils ali ko pesa lo lenge ma pona misengel et tambola pona ko garantir crédibilité à processus, pe transparence à processus. O ya ma pona misalami pendant 7 jours. Na ba er ya ko kabwana sans présence ya ba témoin en violation des dispositions légales, ils ala ki ma pona mité. Ils ala ki fraude o ko bosa na té maman pila. Ba Congolais, ba Kolanda biso, te bandi ko dénoncé préparatif ya fraude électorale ou l'élote. O ezala ki consécration ya fraude électorale ou yon de koti seke di na kadima ba prépara ki outa e bandela depuis mise en place ya Sony. Ki non mise en place à cour constitutionnelle l'élo ezali ka consécration. Ya ngouana, biso tolobie sengeli ko telemé la fraude électorale parti ou yangay en vol. Depuis juillet 2021, to lan saka opération mais la fraude électorale parce que tout comme on a kalolenge ba violer mobeko yamboka na bokumbi processus électoral et ali inacceptable na kobanda ko tia batona seni kobanda ko tia batona katia cour constitutionnelle ti mokolo ba opération de vote. Maman Naomi, on n'a pas assisté à ba élection. Les élections n'ont pas eu lieu au Congo. Élection, ce qui karaté n'a pas eu bulletin, ou cotisant la urne. Élection, ezali, règle de jeu. Règle, à ma ponami, et sengeli, ezala, respecté. Mais n'a pas l'indi, sami, ma kamonenge, tambolaki, c'est tout à fait normal que Tobenga population a résisté contre coup d'état électoral. Est-ce que population... Félix Tshisekedi a préparé. Est-ce que la population a dit que tout le monde a dit que tout récemment, mais tout le monde a répondu à quitter. Apparemment, si ma, même il y a résultat, tout le monde joie populaire, population a dit que tout le monde a dit que Félix Tshisekedi a dit que tout pour confondre, les militants IDPS, les personnes qui ont dit que tout le monde a dit que la population congolaise. Moi, quand je parle de peuple congolais, c'est ce peuple-là, oh, bah, ben, la majorité silencieuse qui souffre. Oh, les lois, ils ont tenir le début du mois. Oh, les lois, ils ont chômage. Jeunesse congolaise, ils ont chômage. C'est cette population-là dont on parle. C'est très facile à la population à répondre, alors que vous tindiki, bah, soda, Congo, Mobimba, pour être empêché, expression démocratique. Attention. Population, ils allient millions et millions de personnes. Ce qui est en train de se faire, c'est que la constitution, la constitution, la droit à côté, les maliboso, il y a ici, il y a ici, il y a pour tout revendiquer, le droit à la biseau conformément à la mibeko. Il y a une manifestation, il y a des et comme bah tu vas commis mon candidat conformément à la constitution, bah saisir bah instance de Sengeli conformément à la Mibé Kwamboka.
pourquoi qu'on empêche Bango ba manifester? Wana ezali ko étouffer expression démocratique. Peuple azali na droit ko manifester pacifiquement conformément à la constitution ko pe ki sa population wana a manifester, a exprimer o ezali ba droit na ye, ezali ko restreindre espace politique, ko restreindre ba liberté, ko restreindre ba opinion. Na ko comprendre bato ba ko ba na kanisa na landa ki ndeko kazadi. Au ministre VPM intérieur, on a l'année pour Augustin Kabouya. Pour la bango, parce qu'ils ont été formatés à casser et à détruire. Pour la bango, population sur Kabimi na balaba, les alliés pour à casser et à détruire. Or, na Congo, pena kisasa, to vivre combien d'activités opposition au Eliki de manière pacifique quand c'est bien encadré. Malébélé. Envol bisoto manifesta à travers le district de sur Kinshasa. Je pense que c'était en 2021. Il n'y a pas eu de casse. À la fin, on a remercié le professionnalisme de la police. Il n'y a pas longtemps, na kanisala mukape, na bosani mukolo, ba salara manifestation, ti na tata Rafael. Ils n'ont pas cassé. Le problème aujourd'hui, ba ninga na biso bazan na pouvoir, bazan nostalgique. Parce que pour na bango, pour que manifestation populaire, démocratique, ils aient une réussite, il faut qu'il y ait casse, il faut qu'on brûle le lieu particulier. Chose que nous ne concevons pas dans une démocratie. Nous disons, nous allons résister pacifiquement, conformément à l'article 64 de la Constitution, conformément aux dispositions constitutionnelles, contre ces coups d'État de M. Tshisekedi. C'est un coup d'État électoral qui est inacceptable dans une démocratie. La fraude, elle était massive, et les irrégularités incalculables, le violation de loi incomparable, inédit. C'est que c'est qu'on a haute vivre dans ma camarade élection, c'est vraiment un catastrophe démocratique. Merci beaucoup, maître. Une catastrophe démocratique. Merci beaucoup, maître Rodrigue Ramazani. Coup d'état électoral, chaos, tricherie, fraude, nyonso. Définition et à ma pronomie ça vient à 2023 mon amboka olandi malam est-ce que je comprends des démarches à opposition tant que bah irrégularité ça qui moi mingi tout le monde même le rapport préliminaire il y a 5 OECC moi bah singi on a dernier kadima a précisé nombre de bureaux de vote, nombre de bulletins de vote, nombre de machines et selon nombre ya CENI bah tangi au moins 64 millions de bureaux de vote, 11 000 bureaux isoma qui en quantité bah machine ma beaucoup abattu bah désordre seulement mingi est-ce que le lot zo comprendre démarche opposition Kolobaki, élection Salimakite. Merci pour na Moutouna, maman Naomi. La démarche Oyo opposition à Zanango Sikoyo, c'est une fuite en avant. Et puis, Naro Limbolango. Ce qui n'a landi bien de Koramazani, a le bien été Nayoki, Momoko a le bien qu'on a le bien Mandouki. A le bien Momo Mandouki. Yamwana, na kusenga ke totanga article 64 de la Constitution. Parce que tant que kolobaka article 64, article 64 de la Constitution, tozo yibate tant moussous elinyo lobanini. Article 64, ezana des alinéas, ezo lobaboui. Premier alinéa. Tous les Congolais ont le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Deuxième alinéa, toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État et le punit conformément à la loi. Tout ça, la lecture moko, il y a situation par rapport à la loi et à article et à constitution. Tout bandit dans la première alinéa. Mon béco li conse le bique, dans l'article 64, mon tenion, comme à le bique, à côté les mêles. Mon tout oyo a eu pouvoir par la force, namakasi, par la contrainte, par les armes, comme il y a le biwana, ou l'exerce en violation des dispositions de la constitution. C'est-à-dire que ou a eu pouvoir na makasi, na manduki, ou azali kosale lango,
asa kolanda mibeko liko mobeko le consulter est-ce que ça dit situation auto zali na yango parce qu'il faut tout temps la loi et le l'enveloppe ici tokei na élection parce que ba congolais nyonso bazali d'accord parce que lingi démocratie que pouvoir okuyu kozango nzela mosusu te okozango nzela ya maponami yangona toza toke maponami toke maponami pona ko pona bakonzi ya sika est-ce que maponami est salami ou est salamité maponami est salami ok ma balobi tout ça d'accord qu'il y a eu des irrégularités il y a eu ceci c'est possible il y a ce n'est pas le seul processus dans ce pays qui a des problèmes et même à travers le monde il y a eu des irrégularités il y a Azali juriste Nenge Nayoki est-ce que ceux qui ba monique mbeba ezali na makama ponami ba ko sala nini parce qu'ils ont ils sont déjà engagés dans le processus ya maponami ba ko sala nini ils doivent jouer le jeu jusqu'à la fin c'est-à-dire que Mobeko likonzi et lobby que ceux qui ozali na ba contestation au kokende devant la cour constitutionnelle au azali juge pona maponami au Italie président de la République na maponami au Italie ba député nationaux violation à Mibeko ba désordre fraude ba machine ba kouti na maboko bato voilà ba sel na ngolo nous sommes en train d'interpréter la loi oui. Nous interprétons la loi ok est-ce que ponanini il faut balanda processus ndenge sengeli ndenge Mibeko lobby donc on kouki kokende te au bandi un processus et puis au Télémi, ou toi-même tu veux te faire justice. Non, nous avons un arbitre qui est la Cour constitutionnelle, auprès duquel ils doivent motiver, présenter Oibaza Koloba. Parce que la fraude ne se chante pas seulement dans la rue. La fraude doit être prouvée par la preuve du contraire. Donc je suis sûr que parce que Bango bazalaki na ba témoin ba ike na kati ya République démocratique du Congo mobimba baloba ki était batu na bango ba kolala na ba centre de vote. Donc je présume que bazali na ba député na bazana ba témoin na bango, il y a eu même des observateurs nationaux comme internationaux. Donc, il faut qu'il prouve cette fraude-là par la preuve du contraire. C'est-à-dire qu'il faut qu'il documente tout ce qu'ils disent là. Il ne faut pas seulement les dire. Parce que, oui, je suis capable de les faire dans les réseaux sociaux. Je suis capable de faire une image, il y a 2006, oui, il y a un fox, maman. Alors, c'est ainsi que. Parce que Bango Bazala qui n'a pas nani. Ata balobi ke babengana ki batemwe na Bango. Mais il y a de quoi ou batemwe na Bango Bazali. Ou Bazalaki. On vient de Kodeni Kadima, quelque part, à reconnaître que l'irrégularité Zalaki, commission d'enquête Moroza et Chami pour la Roland Galango. Je ne refuse pas, madame. Donc, parce que même s'il y a fraude, même s'il y a fraude dans une élection, ce n'est pas ça la finalité. On évalue l'ampleur de la fraude. Est-ce qu'elle est à même de remettre en cause le résultat? Azali avocat, lobby comme Babangi na Bango kende ko samba, lobby kende ko samba. Est-ce que ba résultat wana et koki ko remettre en cause ordre d'arrivée. Or, au tangi awa, rapport ya 5 ans, préliminaire ya 5 ans. Mais 5 ans yemoko, azali clair. Il faut tanga conclusion, ya rapport préliminaire à 5 ans. Il y a eu des irrégularités, mais il y a eu un candidat
qui s'est détaché et qui a fait plus de la moitié de voix. Ça, l'Alsingo le dit. Et ils l'ont, ça, ils ne le disent pas comme ça. Balobiango, parce qu'ils ont utilisé méthode Nabango, Baitezaki la fois passée, qu'ils appellent PVT, donc méthode de comptage parallèle de voix. Parce que c'est avec cette même méthode que la Senko, en 2018, à l'Obaki, que Fayulu a gagné. Et avec la même méthode, dans le rapport, il faut qu'on ait un rapport. La Senko présente un candidat comme largement en tête. Entre le Kenyon, Sezo, l'Obama, 11 millions okay. De bureaux de vote. J'ai dit ceci, que ce n'est pas à nous de déterminer que voilà, le col les a boyés, voilà Essili. Non. Nous nous présentons tous devant les juges et nous démontrons, parce que nous avons documenté ça, de démontrer que voilà, Bafod, Oyondenge, Salami, Ezalina Nature Boy, Ezalina Nature Boy. Il faut convaincre les juges. Mais il ne faut pas avancer prétexte fallacieux. Non, la Cour constitutionnelle est tribale. La Cour constitutionnelle est composée de la bande de Tshisekedi. Mais la même Cour constitutionnelle, maman, au mois d'octobre, si je ne m'abuse, est validée candidature à Katumbi. Oebi, que la candidature à Katumbi est au centre de la controverse sur ma nationalité. Mais tant que à l'équipe de la Cour constitutionnelle, il a même sablé champagne, madame. Tout le monde a une bonne image. Ou en la Cour constitutionnelle, et ça là qui tribalité. Mais tant que la Cour constitutionnelle, et ça là qui proclame, et plutôt, tant que la Cour constitutionnelle, et ça là maintenant, dans l'étape où il faut et se prononcer sur le résultat définitif, la Cour constitutionnelle est commis tribal. Ce sont des prétextes fallacieux. Ce sont des mauvais perdants. Donc, ce qui est totali, dans la première alinéa, je t'ai montré que le pouvoir qui est en place, ou le pouvoir qui est en train de venir, n'a pas été, n'est pas institué par un coup de force. Il n'y a pas eu un coup de force, il y a des élections. Ou Basaliko Kamba pouvoir, Lelo, il ne l'exerce pas en violation des dispositions constitutionnelles. Wana tout qui premier alinéa. Deuxième alinéa. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État. Et le punit conformément à la loi. Mais c'est Nzelo Bango Basako Kenyangwana. L'article 64, l'alinéa 2, ils allaient qu'on condamné à mort. Parce qu'ils veulent, oui, ils veulent aller prendre le pouvoir. Ils veulent aller prendre le pouvoir dans la rue. Alors que le pouvoir, on ne le prend pas dans la rue. Ils vont prendre le pouvoir dans la rue comment? C'est en les renversant. Et quand vous renversez un pouvoir constitutionnel, c'est ça Nzela Obango Bazali. Donc, ils doivent être des démocrates. Aller jusqu'au bout. Parce que même temps où il parle, ceci, on a triché, on a triché. Madame, nous avons vu les gens battre campagne dans Mboka Oyo. Tozali n'a pas institué un sondage à Makassité. Mais ne fût-ce que tant que tu as là, image, comment les gens ont drainé le foule. Est-ce que Bango Bazali en face, Moninga Nangazali en face, a coquille Kolobake, quand Bango est mobilisé, qui va te bêler? Namboka Oyo. Quel était le discours au Bango Bazali qui Nango? Par exemple, Katumbi, Oyo, c'est Sanga qui est le président de son parti, Araliaki. Quel était le discours? Il y a Bana Kinshasa, allez là. Bana Veya, allez là. C'était ça le discours? C'était une rhétorique à la limite primérienne. Hein? Et puis, dans ce cas, moi, Moutou Yamael et le roi Sesanga, Azala Sima, y'a Moutou le roi Katumi. Pourquoi? Et puis, quand Totali, quand on prend les discours, il n'y a pas match.
Et il faut que compter aussi beaucoup de choses qui ont joué contre Katumbi, notamment du Makambo nationalité naïe, notamment Makambo Yamwasi naïe. Il ne faut pas négliger ça. Ça compte toujours dans une élection. Et par après, c'est ça l'argument massu. Nos élections ont une composante ethno-tribale prononcée. Donc, il y a une tendance de vote géopolitique. Très bien. Je vais terminer par là, madame. Oui, oui. Tomoni Tshisekedi, banani bazalaki simanaye. Et ça qui batu ya bwanya, batu ya makasi, oye ba yebani, nanani nanana, sur l'échiquier politique national, mais batu nini bazalaki simaya Katumbi. D'abord, c'est Sanga lui-même. Il a quel poids politique dans ce pays? Parce que ce qui tout tali, législature, il avait combien de députés lui-même, c'est Sanga. C'est Sanga, c'est un leader local. Juste un leader local. Dans son lieu à Natal, là-bas. Il n'a pas un rayonnement national. Malgré tout ce qu'il est allé par-ci, par-là, il n'a pas un rayonnement national. Sogi Totali, Djongo. Djongo a quel rayonnement dans ce pays? Sogi Totali, Sept Kikuni a quel rayonnement dans ce pays? Sogi Totali, Matata. Matata a un rayonnement national ici? Dans ce pays? Alors, voilà. Et quand Batunyon Sowana, ils étaient toujours dans les Sogi Elengi, Yakomatavion, Bazana Katumbi partout. Alors que Batunyon, Bazagi na Tshisekedi, Bazagi na Tshisekedi partout. Tshisekedi a Kei. A komi bango bazongi bakeyi pe nakati. Et les députés, les candidats députés provinciaux, nationaux, conseillers communaux, il y a Union Sacrée par exemple, ils se sont constitués en comité de soutien. Il y a Neni na bango. Et quand on prend un candidat comme Fayoulou, qui a empêché ses cadres de participer aux élections, et puis il vient par après pour pleurer. Mais qui a battu campagne pour lui? Très bien. Donc, voilà un peu là. Donc c'est pour dire que Bandeko, c'est une fuite en avant. Ces élections, et là, qui s'y polait les vraies grandeurs d'Abango. Et Kolimi Sangai, Narosuki Savana, aujourd'hui, le président élu en 2018, Martin Fayoulou. Abimi Siko on a poissa comme Bakino Balobaka. Sa vraie valeur et mon ami, sa vraie grandeur et mon ami Lelo. Parce que Lobi Okuna, il a profité d'une popularité d'emprunt. Yazaki Nabatoute, parti na Ezalagawapi. Ezalagawapi, Eside, Ezalagawapi. Ezaki Nabatou combien a parlé mal la fois passée. Il a profité, Namakambo ya Genève, Nani Bemba Jean-Pierre, Katumbi Moïse. C'est ce que j'appelle popularité d'emprunt. Voilà, aujourd'hui, Abimi n'a pas ça. Donc, tout le monde là, les lobes Abimi n'a pas ça. Et même celui qui s'est hasardé, docteur Mukwege, il a trouvé que ce n'est pas facile de se convertir. Tu as une notoriété scientifique, bien sûr, internationale, mais tu ne peux pas la convertir merci en notoriété beaucoup. Politique. Je vous reviens. Pouvoir na bayi kenyon so bazala ki na sima tata mokambi ekolo face ya opposition ezala ki dispersé ndenge de kwa uti kota lisa yango malamu lelo ndeko Rodrigue Ramassane est-ce que nyon so wana ba elema nyon so ndenge de kwa lobeza ko justifier défaite na bino te que Félix Tshisekedi azala abattre bino largement ndenge ya sale lelo et tant bozolo ba ke buko mobiliser balabala, article 64 jusqu'où Brokende. Les lobos qui dispersés na tango ba ponomi boboy ko se mettre ensemble et to monibino ko se mettre ensemble pour nous contester ba résultat. Est-ce que bro soit gain de cause jusqu'où Brokende pour nous ko luka bongo bozoa solution na problème bo s'opposer. Maman Pila botika ko désorienté opinion. Il n'y a pas eu élection au Congo. Il n'y a pas eu élection. Comment vous avez fait une élection alors que l'élection est salamagité? Oui, salamagité, c'est un simulacre d'élection. Élection est salamagité. Je vais le démontrer. Mais les Singaï, nous avons eu un peu de temps pour que tout se comprenne.
mibe komboka to mibe ko po comprendre ngo il suffit pas qu'au soir article moko otangi au sukiwana il faut qu'otanga ba travaux préparatoires d'akisa la constitution qu'otanga exposé des motifs et puis que ça la combinaison ya ba disposition ya mobeko po au soir esprit ya mobeko pour comprendre sens nango de comme sanganya a évoqué article 64 nakanisi les abangonyo suba ko lobango peut-être ils en a ignorance, nous allons les aider à comprendre. Dans la constitution, à l'alinéa 2 et article 64 à Zoloba, toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État, elle est punie conformément à la loi. À Zoloba, pour comprendre, il faut l'on article 64 ou un article qui s'appelle le président de la République, ou un article notamment, article 71, au moment de l'article 71 et le Bible, les présidents de la République est élu à la majorité simple de suffrage exprimé. Baké les sous moussika, baké si les sous disposition moussoupo et sungamalam pour que Batoba comprendre penda. Dégénéné, et c'est l'article 74, les présidents de la République élus, je souligne, élus, entrent en fonction dans les 10 jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle. On parle d'un élu. On parle pas d'un fraudeur. On parle pas de celui qui a fait un coup d'état électoral. On parle pas de celui qui a eu le pouvoir par la compromis à l'africaine. Non. Bakobeta Lisolo n'a été awa. Ça, ce n'est pas un pouvoir qui est reçu dans le respect de loi. On parle pas d'une élection qui s'est faite en violation de l'article 52. De la constitution, de l'article 52 de la loi électorale, 70 et 71 de la loi électorale. Ça, c'est une violation de la loi. Ce n'est pas Ezali élection T. Moto Oyazu pouvoir Oyazali élection T. Ezali coup de force. Yangona Kobengango coup d'état électoral. Ndeko Tshisekedi, dis ce qui te comparer, tout le monde peut-être l'élo, Azali différent, Nabato, Bazu Mandoki, Babotoli Bokondina Makasi. Ce n'est pas le choix d'un peuple. Il est le fruit d'un coup d'état électoral. C'est ça. Donc, toi, nous avons évoqué Alinéa, nous avons évoqué un mot malencontreusement. Sans pour autant comprendre l'esprit. L'esprit de cette constitution, c'était de protéger l'accession au pouvoir par des moyens démocratiques. Est-ce que l'élection est le 20 décembre? Heureusement que Yemoko, M. Moussangani, a reconnaître qu'il y a eu des irrégularités. Non, M. Moussangana, il n'y a pas seulement eu des irrégularités. Monsieur Moussangana, ouais. Il n'y a pas seulement eu des irrégularités. Il y a aussi eu des violations de la loi. La loi a été violée. Irrégularité, vous vous limitez sur des procédures, mais je vais très loin. Je vous parle de la violation de l'article 52. Tala, niveau ya fraude. Niveau ya l'okouta ya kadima. Vous savez qu'est-ce qu'il fait? On arrive le 20. Il change les règles du jeu le 20. Il sort un communiqué. Disant aux parties prenantes par les médias, ok, les élections auront lieu à des heures que je ne connais pas, je ne sais pas vous préciser quand, mais ça aura lieu. Conséquence, aujourd'hui, nous avons 7 jours d'élection. 7 jours. Est-ce que vraiment, Togo, le Valéo, tout ça, quelle élection? La question qui est posée d'ailleurs, quelle est la conséquence réservée au suffrage exprimé après le 20? Parce que la loi électorale, maman, je suis en face d'un expert sur des questions électorales. J'espère qu'il aura toujours la fierté de porter ce nom, parce qu'il dit qu'il est expert de questions électorales. L'article 52 qu'il maîtrise très bien, qu'il ne va pas évoquer, parce qu'il sait que c'est une violation ce que Kadima a fait. Et sur le Banabu Sonin, les jours et l'heure de vote sont fixés par la Commission nationale, par la Commission électorale nationale indépendante. Premier alinéa. Alinéa 2. Le vote pour les scrutins directs. Donc tu constates la scrutin, Nini? Direct. Direct. Se tient le dimanche ou le jour férié. Raison pour laquelle, comme ça qui est mercredi, jour férié. Il a lieu de 6h à 17h. Il a lieu de 6h à 17h. Donc, jour, il y a vote, il faut à la jour férié. Toutefois, les préposés de la Commission nationale indépendante remettent les jetons aux électeurs présents. Et les votes continuent jusqu'au vote du dernier électeur muni du jeton. Ça veut dire quoi?
Le jour du vote, il faut la journée moko férié. Le jour du vote, et qu'au Salema de 6h à 17h. Le jour du vote, ce qui est comme 17h et que le bureau de vote est Kangi, et que dans le centre de vote, Bato Bazali, dans le bureau, chef y a bureau à cause de jeton, à quoi compter, dans le cas 200 électeurs, après si bango bajet, bajeton, à quoi kanga bureau de vote, si dernier électeur, à quoi ça la nini, à quoi voter. Obi pour la nini, bachar règle, on est en place, je suis en face d'un expert sur des questions électorales, dont j'estime avoir reçu des formations et il a participé à des processus électoraux. Bah, ça, là, on a garantir transparence et crédibilité. Il y a processus. Il y a vote. Quand vous ouvrez un bureau de vote à 22h, où sont nos témoins? Qui prend en charge les témoins à ce temps? Alors que les règles du jeu sont connues, vous les changez le même jour. Tant que vous avez une question de cartographie électorale, est-ce qu'après ça, la réponse, style la réponse est satée? C'était une question de la Moïse Sanko. On a découvert qu'il y a eu beaucoup de bureaux de vote fictifs. Je vous fais le rapport, parce que le rapport, il y a Moïse Sanko, on dirait que Moussanga n'y a pas, à Tangaki, na Mobimba Langote. Moi, je vous fais le rapport en termes de chiffres. Parce qu'il semble dire que, non, Ezali négligeable, parce que bah, mais ça, il y a irrégularité, bah, mais ça, il y a fraude, bah, mais ça, il y a tricherie, bah, comme si coup d'état électoral est l'okomoko légitime. Ils ont légitimé la violation de la loi. C'est quoi, Yébissi Bissobo? 31,37% des bureaux de vote n'ont pas ouvert. Conséquence, quand Kadima promulgue son simulacre des résultats en publiant Tshisekedi du président de la République, on découvre que sur les 75 000 bureaux de vote prévus, 64 000 seulement ouverts. Donc, 11 000 bureaux de vote et Fungamate. Encore que sur les 64 000, on est Fungami, il y a des bureaux de vote. Oh, écoute, il y a des problèmes, il y a des machines. Senko, à l'Obiboy, 45,1% des bureaux de vote où les dysfonctionnements, il y a des machines à voter. Ça, les maquis. Il y a eu interruption de vote. Bon, bah, il y a négligeable. Toké sur Moussika. 9,870 bureaux de vote où les observateurs ont été interdits d'accès. Pour Nabango, et ça car négligeable. Les observateurs et les témoins de candidats. J'en suis victime. Bureau de 7,84% des bureaux de vote ont enregistré des cas de violence contre la plupart des cas des partisans, il y a Moïse Katumbi, notamment au Kassai. 5,8% des cas des bureaux de vote saccagés. Mais la question qu'on doit tous se poser, je suis en face d'un expert électoral, c'est comme ça que vous l'avez présenté. Oui. Quelle est la conséquence réservée au vote émis après le 20 décembre? Quelle est la conséquence légale réservée à ça? Il faut répondre à cette question. Et là, on veut nous dire qu'il y a eu élection dans ce pays. Face à Yannion Soïsalemi, Bozo Senga, Nini Penza, Bozo Kana, Kozoa, Nini Simayaba. Zela Nassi, ça va démontrer simulacre, ben élection, simulacre, il y a un résultat. On proclame Félix Tshisekedi premier, na aventure, dans le monde, na RTNC, na Ituri. Alors qu'on Ituri, compilation et salamité et silité. Un député est sorti pour dire. Plusieurs députés, même de l'Union Sacrée, qui n'ont pas si le bon sort, qui n'ont pas si les six compilations. La preuve, c'est lié, mon quoi, tout ça, la communiqué hier, pour dire qu'il renvoie, s'il est dit, la proclamation des résultats des législatives. Parce que la compilation n'a pas été faite. Mais de quoi on parle? De quel état on veut construire? Vous pensez qu'avec ce coup de force, vous allez prendre ce pays et donner des solutions aux problèmes des Congolais? Nous disons non, Toulobi, face à ces simulacres, nous demandons simplement l'annulation et la réorganisation. Alors que j'ai bu sur plus d'un milliard de dollars, avec quoi reprendre, pour combien de temps, pendant cet temps qu'on bombe beaucoup. C'est que le pays va perdre en termes de développement et au-delà de ce 1 milliard dont on parle. Dans la plupart des cas, on aura élection, on dirait qu'un instrument politique pour montrer qu'on a le pouvoir. Non, les élections, elles allaient thermomètre. Elles vont permettre
na ba vie extérieure, bata la stabilité politique na mboka. Aucun investisseur sérieux, je le dis bien, aucun investisseur sérieux viendra investir ces milliards de dollars dans un pays où politiquement il y a la stabilité. Aucun investisseur sérieux. La preuve, Tshisekedi a fait 5 ans au pouvoir. Quel est cet investisseur sérieux qui est venu après 1000 voyages qu'il a fait à l'extérieur du pays? Conséquence, nous allons vers le même schéma. Le combat aujourd'hui, c'est de regarder ces jeunes. 70% de notre population est jeune, mais qui vit dans le chômage. Basaba chômeur, banami salaté. La situation sociale est intenable. Mais là, on veut continuer dans de même formule, pensant produire des recettes différentes. Donc, on passait 5 ans, les soit publicité, opposition, et ça dit revendiquer soit vérité des urnes, soit baban de l'élection. Et ça, soit tu dois revendiquer vérité des urnes, parce qu'il n'y a pas eu élection, maman. Non, tu sais, la démonstration légale. C'est que Kadima a fait, on appelle ça en droit abus de pouvoir. Il n'a pas reçu compétence de proroger les opérations de scrutin. Mais il dit que place des ordres à l'acquis, il va permettre de voter. Non, 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 Pila, au désorienté, Kadima n'a pas la compétence ni le pouvoir de proroger les délais au Yobatina Mibeko. Il n'en a pas reçu compétence. Je viens de lire l'article 52 de la loi électorale. Oh, les OPS, ça va règle comment les choses doivent se conduire. Je vais même aller loin jusqu'au 70 et 71 de la loi électorale pour démontrer qu'il y a eu des violations à la loi. Violation à la loi égale nullité. C'est nul ce que Kadima fait. Il n'y a pas eu élection. Il y a eu simulacre d'élection. Il y a eu un coup d'état électoral. Où M. Tshisekedi s'impose par la force. Contre la volonté du constituant, yango na lobby boy. Peuple congolais en article 64 de la constitution, on a aussi démontré que M. Moussangani attend qu'il y ait l'envers. Pour comprendre une loi, il ne suffit pas de lire la lettre de la loi, il faut en comprendre l'esprit. Dans l'esprit de cette loi, le président qu'il faut protéger, le pouvoir qu'il faut protéger, c'est un pouvoir issu des élections. Or, l'article 52 violé, les irrégularités comptabilisées par la Moïse Senko, qui du reste est la plus grande mission d'observation déployée. Il n'y a pas que lui, j'en ai d'autres rapports que j'ai avec moi, qui disent clairement qu'il n'y a pas eu élection et ces élections doivent être annulées. Malgré ça, Tomouni, chef d'État, il y a beaucoup de félicité, Félix Tshisekedi, hier même, dans le discours de Moïse Katumbi, il a presque se plaindre parce que l'Union sur le Liban a félicité Félix Tshisekedi pour la réélection. Écoutez, Oebi Kosaleka, moi je ne vais pas dire des choses que les gens ne vont comprendre par la lettre. Le Kenya a félicité Tshisekedi. Mais Corneille Nangaa a proclamé son aventure là-haut, à Nairobi. Quand le gouvernement congolais a posé la question, tu as reçu la réponse. Ils disent qu'ils sont un État démocratique, les gens peuvent faire ce qu'ils veulent. Kebala Kosaleka, Kebaba Osaloje Bao Kosayo. Cette aventure de Nangaa que je condamne fermement. Parce que nous sommes dans un pays où nous avons opté pour la démocratie, raison pour laquelle notre lutte sera démocratique. L'article 64 de la Constitution, Maman Pila, sera appliqué. Très bien. Merci beaucoup, Maître Rodrigue Ramazani Tozo Poussana, vers la fin de cette émission. Maître Isaac, est important de comprendre ce qui s'est réellement passé le 20 décembre lors y a ba vote. Mon amboka Ndeko Moussangana, la question sur... fraude électorale. Tozungi la naponde de quoi pécian ou wana mozindo nango. Il y a baudio moko ezo tambola. Il faut que l'obé lango pe. Il y a union sacrée wa bisika. Il y a union sacrée bazo bunda pona ba voir. Moto moussou a obi ako bundi sa liste. Moussou. Moi, ma kambebe, c'est vrai que ba contredire tope ba dénoncer ango. Ba mi keza ya solote. Kasi na opinion etikali ki na kate union sacrée bazo nomé ba député. Ndenge moko ba comprendre que. Élection et salemi pour la bino ba union sacrée. Est-ce que bande corporation do bazana ma, madame, je crois que européen ça n'a pas temps, je crois que aux autres temps. Oui, oui. Alors, tu vas me donner aussi autant de temps que à pour répondre.
avocat, il faut qu'il me dise, un audio, un son, c'est une preuve en justice. Je passe. Je voudrais dire ceci. C'est une preuve, je te réponds directement. En droit pénal, c'est une preuve. Parce que la preuve, elle est libre en droit pénal. Je voudrais dire ceci. Au Monique, tant mon déco, Abandiko Lomakamba, article 64, il était un peu déstabilisé. Tu vois qu'il est allé à l'obi. Non, t'as là, il faut. Moi, j'ai une compréhension restreinte de la loi. Yazana. Compréhension intégrale de la loi parce que il associe à la lettre l'esprit. Donc, il n'a pas associé esprit dans la lettre T. Mais ce que vous avez par exemple, Batu Oyo Alobi qui faut que tu s'en à partir de l'article 64, il y a une lettre dans l'esprit. Donc, tu vois que c'est une manipulation de la population. Parce que pour qu'ils répondent, qu'il objecte à ma réponse dans l'article 104, tu as vu combien de documents il a fouillé. Et je crois que la population, Oyobango Bazali Kobenga, pour l'article 64, Bazapé Nathan, Bazapé disposé, il y a qu'au feuilleté, Donc c'est pour dire que c'est dès la manipulation pure et simple de la population. C'est de la manipulation pure et simple de la population. Ils n'ont aucune capacité de mobiliser le peuple. Parce qu'ils ne l'ont pas mobilisé dans les urnes. Ils ne l'ont pas mobilisé. J'ai dit quelque part, parce que Ndeko Ramazani, avant d'y na Kinshasa, dans le lobby qui a pèsé en Aïka à Kinshasa, parce que mon ami basoda déployé à Kinshasa, à lobby qui a un basoda basaki déployé. Mais à Kinshasa, j'ai voté à Kinshasa, dans mon ami déployé à basoda. Aïe bisangaï na Kinshasa, awa. Ba preuve au bango basan en go, et zali ko contredire, ba résultat au Yoseni a pèsé. Ba pèsa! Awana Kinshasa. Comme ça, on peut extrapoler. Parce que nous sommes vivants à Kinshasa. On peut extrapoler pour le reste du pays. Donc, en disant, moi je suis très honnête. Je suis très honnête en reconnaissant qu'il y a eu des irrégularités. Je suis honnête. Et ce n'est pas la première fois qu'il y a eu d'irrégularités. Même en matière, parce que je vais revenir sur l'article 52, même en matière, il y a qu'au postposer élection dans certains endroits, il y a une jurisprudence en la matière. Ici à Kinshasa, en 2006, moi j'étais conseiller en communication de Jean-Pierre Bemba en 2006. Donc j'étais au centre de la stratégie de Bemba à l'époque. Mais nous avons sillonné partout ici. Nous avons vu ce qui s'est fait. Par exemple, Natiangou, il y a des bureaux qui ont ouvert le lendemain et le surlendemain. Peut-être qu'il n'est pas au courant. Il doit s'informer. Nous avons vu en 2011 l'état des plis électoraux. J'étais dans celle serre dans Fikine, Kuna. Est-ce qu'il a vu ça? Ou peut-être il était encore assez jeune à cette époque-là. Parce que quand je le regarde, il était encore assez jeune. Donc il n'a pas vu ça. Il doit s'informer avant de venir prétendre tout ce qu'il est en train de dire ici. Madame, je suis honnête. Je soutiens que j'accepte qu'il y ait des irrégularités. Mais ce n'est pas à moi de décréter ou de dire que ces irrégularités-là sont de nature à impacter les élections. Il y a un juge pour ça. Mais pourquoi vous refusez d'aller vers le juge? Pourquoi vous refusez d'aller vers le juge? Il faut aller vers le juge. Je vais dire encore autre chose. Parce que ce que l'on est en train de raconter ici,
parlant par exemple des élections de 2018. Madame, par le MLC en 2018, j'étais coordonnateur de la communication de Martin Fayoulou. Parce que même à Wabamna Kolobake, Martin Fayoulou avait gagné. Il n'y avait même pas de PV. Awa a parti à Kinshasa. Awa. Il ne le connaît pas. Il ne connaît pas ça. Il n'y avait pas de PV. Ici même à Kinshasa. Et vous savez, ça c'est un jeu dangereux de l'opposition. Oyebi qu'en 2018, la Mouka a fait un vilain jeu là. Non, pas de machine à voter, pas de ceci, pas ceci. C'est à une semaine des élections, le 16 décembre 2018, que la Mouka renonce au rejet de la machine à voter. Mais entre-temps, Fayoulou, ça là qui tournait, n'a pas qu'à m'oublier, mais c'est pas tout, bon, voter dans la machine. Mais parce que, Olivier Kamita, ça là qui une déclaration malencontreuse, demandant aux gens d'aller casser les machines à voter. Donc, je présume que même la machine à voter, aux alliés, les lots, il y a à casser. Donc, il doit avoir une main même d'Olivier Kamitatou. Olivier Kamitatou appelle la population à casser les machines. Balingi balande naye na parquet général auprès de la Cour de la Cassation. Il y a Moana, la Mouka et Bangaki. Il y a une machine à voter. Mais tant qu'on m'a dit machine à voter, c'était à une semaine, même ceux qui on avait reporté l'élection d'une semaine. Mais il s'est fait qu'ils n'avaient pas de témoins. Moi, j'étais en contact avec Lumbi, paix à son âme, qui était directeur de campagne de la campagne de Martin Fayoulou. Il a dit que je suis devant un casse-tête chinois. Je ne sais pas, témoin dans Rosabangouapi. Maintenant, je suis en train de recourir dans mon parti membre, Pesaki, mais ça, mon boulot. Donc, vous comprenez, ça, ce sont des réalités. Makamboya Kati, oh, et Banité. Je vous dis, madame, dans Mimisi, et ça, Makamboumoussou, il y a Kati. Hein? Ne croyez pas. Dans le bel et en mot, ce qui est en train de se faire aujourd'hui, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et c'est Salema. Et puis, il y a la paix au Salema. Donc, il ne faut pas venir ici avec des connaissances livresques. Vous pensez que le monde vous appartient. Non. Il n'y a pas que ça, que les connaissances livresques. Il y a aussi l'expérience. Hein? Parce que je lui dis que dans le processus antérieur, il y a eu des élections qui se sont tenues sur 1, 2 ou 3 jours. Mais de qui la CENI avait tiré ce pouvoir-là pour les organiser? Il ne pourra pas me le dire. La loi... Je vais le dire, c'est la même loi. Et puis je reviens à la loi 52. L'article 52 de la loi électorale. Parce qu'à Tanguy, dernier alinéa, il y a article 52, dernier alinéa, Zolobanine. Permets-moi là ta lunette. Toute dérogation aux heures d'ouverture et de fermeture est motivée et ne peut être décidée que dans les conditions assurant l'égalité devant les suffrages. Madame, cet alinéa permet, même si ce n'est pas dit expressement, permet à ce qu'on bouge certaines choses. Qu'on bouge. Mais il faut que la CENI motive. Il y a moins d'un azolo baboui. Peut-être que CENI a la motivation. C'est pas si on dit il faut aise à la motiver. Mais qui doit motiver? C'est la CENI, non? Alors, maintenant, peut-être que la CENI a la motivation. C'était une raison pour Nabango, va contre-attaquer. Ba motivation, on a. C'est ni à couper ça. Parce que c'est ni père à la partie, n'a pas de procès. C'est ni père à la partie, n'a pas de procès. Hein? Mais ça lui recourte. Ça lui recourte pour Anine. Parce que c'est une fuite en avant. Ils veulent s'appuyer sur le plan politique
pour justifier leur échec. Parlons des audios pour te citer, est-ce que ça a manifesté fraude au Bandeko? Madame, c'est ce que j'ai dit. Oui. C'est ce que j'ai dit. Vous avez vu ce qui s'est passé aux États-Unis, madame. Là, les États-Unis ont une tradition démocratique de commun. Depuis des siècles. Maman, tu as vu ce qui est arrivé entre Trump et Biden? Ce que vous avez dit, moi, c'est ma. Oh, comment qui entre, je crois, Kerina Bush Junior. Oh, Batangi, Bazongeli, tout ça. Ça se passe aux États-Unis, madame. Tout, presque tous les livres de sciences politiques, tous les livres parlant de la démocratie, même les livres de la communication, madame. Nyonso, ce sont les Américains qui sont à la tête. C'est beaucoup des Américains qui ont rédigé ces livres-là. Et Bandi Pepa Nabango. Et Bandi Pepa Nabango, Banan Moussous. Donc, tout. Si tu regardes, les grands chercheurs en sciences politiques sont des Américains. Les grands chercheurs en communication sont des Américains. Je ne dis pas des histoires. C'est-à-dire que ceux qui ont ma baisse. Donc, non, c'est-à-dire que c'est normal que ma baisse. Que ma baisse, dans l'obité que ça normal, on ne peut pas vouloir normaliser ce qui n'est pas normal. Je dis qu'à chaque contexte, à chaque élection ou chaque processus électoral a sa fortune. Et qu'il nous revient, nous, Congolais, de voir. Qu'est-ce que nous devons faire? Quels sont de voir qu'est-ce que nous devons faire pour sortir de cette situation et améliorer les choses? Très bien. Parce que quand je vais terminer, est-ce qu'on compte qui va réopérer ça? On compte qui? Aux 10 minutes. Parce que quand on parle de la compilation, madame, la compilation, il y a élection présidentielle. Et ça n'est mon côté la compilation, il y a députés nationaux, provinciaux, même conseillers communaux. Ici, nous n'avons eu que 26 candidats. Mais c'est facile. Encore que vote pour la présidente, pour Nanani, et ça vote uninominal. C'est un scrutin majoritaire. C'est celui qui a beaucoup plus de voix qui l'emporte. Mais ce n'est pas la même chose. Avec. Bah élection, oh y a députés nationaux, provinciaux, bah conseils communaux. Ce sont des scrutins proportionnels. Et puis combien de candidats, Bazakuna? Nous avons 23 000 candidats aujourd'hui pour la députation nationale. Je crois 33 000 candidats pour la députation provinciale et pour les conseillers municipaux, on a peut-être 40 000 comme ça. Il faut compter tout ça. Il y a Bamakambo, il y a ceux qui doivent intervenir, lobby, pour voir qui sont éligibles dans le siège. Donc tout ça, ce sont des contraintes qu'impose les genres du scrutin, qui ne sont pas les mêmes contraintes que d'avant. Très bien. Et donc c'est normal. Allez, nous allons citer, nous citons déjà pour la Congo, le commis vraiment Nasuka, Ndeko Rodrigue Ramazani, ce qu'il faut qu'on tala le 5 ans à venir, et Zali Komo, Andengeni, Binonangambo et opposition, alors que vous allez déjà qu'on boya ma polonie, s'il faut penser le Congo dans les 5 prochaines années, et qu'on la Andengeni, et votre mot de la fin, message à la population. Bon, je crois que population Balandi, M. Moussanga, Namaram, Bamoni Pebisika Mingyo et Abeti Libaku, atteindre l'article 52, il y a un lobby, ils ont permettre, non, ils ont permettre leur ôter. Il ne faut pas faire dire à la loi ce que la loi n'a pas dit. La loi parle des heures, la loi ne parle pas des jours. L'heure d'ouverture et de fermeture. La loi ne parle pas des jours. Déjà, ça, c'est taper à côté de la plaque, être vraiment à côté. Je veux lire à l'intention du Congolais, toute dérogation aux heures d'ouverture et de fermeture est motivée et ne peut être décidée que dans des conditions assurant l'égalité des citoyens devant le suffrage. Heure, pas jour. Aujourd'hui, nous avons des élections qui se sont tenues sur 7 jours.
Après, vous avez vos inventions personnelles, des histoires que vous gardez dans votre tête, rédigées par personne existant dans aucun rapport, où vous avez vu des élections être prorogées, et vous extampillez mon expérience personnelle. Oui, c'est votre expérience personnelle, vos inventions personnelles. Vos inventions personnelles, ne les mettez pas sur le dos de la République. La République pour laquelle moi je me bats. Pour vous dire, M. Moussangani, aux âmes bien-nées, Laval, aux âmes bien-nées, je n'ai vraiment pas le temps pour ça parce que non, il ne faut pas. Laissez-moi finir. Moussangana, c'est mon nom. Il ne faut pas m'appeler Moussangania. Je vous dis de respecter mon nom, c'est tout. Voilà. Hein? Je ne suis pas. Donc il ne faut pas dire, Nana, aux obis, comme on a dit, que ça ne t'intéresse pas. Mais ce n'est pas de la politesse, monsieur. C'est ça, normal. Ce n'est pas de la politesse. Merci, je le dirai à la fin, mais je vous dis ceci, aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas de nombre d'années. De la même manière que je respecte le cheveu blanc que je vois sur votre tête, vous respectez aussi la personnalité qui est devant vous. Vous avez accepté de débattre avec moi, vous n'avez pas à venir mais prendre comme si j'étais un vanipied devant vous. Au nom du respect mutuel, je ne vous permets plus prochainement de venir parler de mon âge et de ma jeunesse. Merci. Maintenant, ici, je martèle et j'insiste. Donc, M. Moussangana, pour vous conforter, au nom de l'élégance, M. Moussangana, Azana droit, il y a un Makanissio, il y a une expérience personnelle, il y a un peu tout ce qu'on a vécu, l'élection, l'invention, ce que nous savons, au cas où il y avait prorogation de délai pour les élections, c'était la Cour constitutionnelle qui était saisie conformément à la Constitution. Ce que nous venons de vivre, l'élo, est inédit. Et ça, les manantés. Et en bas, la liboso, ça, les manakoumou. N'est-ce pas? Tout qu'on respecte, il n'y a pas tout ça, comme ça, n'a pas ici des bêtes aux élégant. C'est tout ce que moi je demande. Et puis, il y a sous Kalobi, Azotou Nabiso, Pévalubi, opposition, Bayanaba. Tout qu'on a Pévén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 
Très bien, merci beaucoup. Mon amboka ndeko Musangana. Tous ces sanayo, mon amboka balaisoni to tirer na makonomi et salemi pour que na mikolekoya 2028 na oekoya to sala mio et nyongo yo peuple la Côte Sibino 73,34%. Comment est-ce que vous allez comme on a 5 ans, Isali Koya, votre mot de la fin? OK, mon mot de la fin, c'est d'abord je commence par dire que l'arrogance n'est pas un argument. C'est un argument de faible. J'ai montré à mon co-débatteur, moi je n'ai pas insulté la population congolaise. J'ai voulu tirer une conséquence de ce qu'il a dit. Parce que moi je lui ai posé une question. Où j'ai répondu à ce qu'il a dit. Il s'est vu déstabilisé. Il a voulu recourir à gauche en papotant tout ce qu'il a mené comme paperasse. Alors c'est pourquoi je dis, est-ce que toi là pour me répondre, tu as papoté là partout là-bas, est-ce que la population ici papote aussi pour comprendre ce que tu as dit? Et je dis que c'était de la manipulation. C'est de la manipulation, c'est de la fuite en avant. Il y a eu bel et bien des élections dans ce pays. Parce que ces élections... on les gagne aussi par rapport à son poids politique. J'ai dit ici, quel est le poids politique du parti Envol, par exemple? Ben, c'est un parti qui s'est envolé même à l'occasion de ces élections. Mais il faut poser la question à Tshisekedi. Il faut poser la question à Tshisekedi qui est venu nous demander notre soutien en 2018. Tshisekedi est venu nous demander le soutien en 2018. Toi, tu as parlé... Non, parce que tu cites mon parti. Oui. Tu cites mon parti. Je te rappelle que l'envol a un poids politique. Tshisekedi était venu nous demander notre soutien. Vous faites la bourrage d'urne. Vous aurez ta solitude. Vous la bourrage d'urne. Vous la bourrage d'urne. Il y a des poids politiques, des tricheurs, des fraudeurs, des voleurs. Ce sont des voleurs, ce sont des fraudeurs, des tricheurs. S'il vous plaît. Allez les prouver à la Cour constitutionnelle. Ils ne peuvent pas parler de poids politique alors qu'ils sont en train de frauder. Ceux qui vous allez qui n'ont poids politique, vous n'allez pas frauder. C'est un débat. C'est un débat. Ce n'est pas un soliloque. C'est un débat. C'est un débat, c'est un échange. Il est une minute. Non, non, quand toi tu as parlé, moi je ne suis pas. Oui, parce que l'émission tient à sa fin. Je tiens à vous rappeler que vous n'avez aucun poids politique parce que vous êtes des fraudeurs, des tricheurs, des voleurs de votes. Et voilà. Vous n'avez aucun poids politique. Et voilà. Oui. Donc voilà. C'est pourquoi je dis que c'est une fuite en avant. Hein? Bako quitté, place Makambo Ibana ou Salema. Maintenant, ils veulent aller ameuter la rue. Je dis que la rue n'a pas le temps de les suivre. Parce qu'elle n'est pas avec eux. Ils ont fait des manifestations dans ce pays depuis le 20 mai. Bah, c'est là qu'il y a une manifestation à Watt. Bah, promettez qu'ils vont faire tous les jeudis pour ça la manifestation. Bah, quand même, quand ils dépensent, bah, non, ça calme. Bah, vous quittez. Donc, ceux qui m'ont là qui paient, c'est moi ici. Aujourd'hui, on a vu quand Fayoulou a lancé un mot d'ordre pour la nanny. On a vu. Et ce qui était là-bas, ce sont des adolescents. Donc, ces gens-là n'ont pas une capacité de mobilisation, ils n'ont pas un poids politique, le peuple n'est pas avec eux, ils n'ont pas su le mobiliser. Leur élection, ils sont mobilisés, ils sont... Ils sont victimes de leur propre turpitude. Tant qu'il fallait pas sangana, si ma yamoutou moko, pas maximiser chance na bango, pas sali yangote, pas finganite. Oyo azali voleur patenté, oyo azali corrupteur, oyo azali manipulateur. Ils sont descendus même en dessous de la ceinture. Bango moko kaka. Mais maintenant, ils échouent lamentablement. Non, non. Tosangana pour faire barrage. Mais quelle absurdité! Quelle absurdité! Venant surtout du jeune avocat. Merci. C'est la fin de l'émission. On se retrouve demain. On m'a invité, Mosusu. Merci, Maître Rodrigue Mazani. Merci, Mwana Mboka Moïse Musangana. On se retrouve demain. Mboka Congo, Etikala. Mon corps, paix et Oumela. Ndenge, tout le bas, toujours, le Congo restera un et indivisible. Au revoir.